Bon, eh ben, je vais commencer. D'abord, je vous remercie à tous d'être là. Il y a une grande salle bien vite. Ça. C'est éclatant. Non, mais c'est éclatant. Donc, je vais faire extrêmement. Je serai rapide, puis en fait, on va en discuter. Je vais vous parler de Lingua Libre, donc, qui est l'outil qu'on a développé ces trois dernières années au sein de Wikimedia France, notamment, parce que ce n'est pas le seul outil qu'on a fait. Lingua Libre, il y a un petit slogan que j'ai sorti, mais ce n'est pas un slogan officiel, qui est enregistré toutes les langues du monde commune par commune. Et effectivement, l'outil permet de faire ça. Donc c'est quand même une force assez importante en termes d'outils d'enregistrement linguistique. C'est quelque chose qui n'était pas fait avant. Voici l'équipe des gens qui ont tous participé. Donc j'ai mis pêle-mêle les noms, plus ou moins par ordre de participation en termes de chronologie. Mais c'est pas, n'est pas ceux qui ont le plus participé, ceux qui ont le moins participé. Hein. C'est vraiment, vous voyez, on a été un certain nombre de personnes, des gens qui ont été salariés pour le développement et des gens qui ont été bénévoles sur le projet. Donc ça fait un certain nombre de personnes. Lingua Libre est parti d'un constat qui était assez édifiant. C'était moi il y a à peu près 3 ans, je dirais début 2015, janvier, février, dans ces deux-là. Je constate que j'étais depuis quelques années sur Wiktionnaire, 2-3 ans, et en fait, travaillant sur l'étymologie, je m'aperçois que les langues régionales sont très mal décrites, très mal recensées. Il n'y a pas beaucoup de mots de langues régionales sur Wiktionnaire, malgré le fait que quand on cherche un peu sur Internet, on trouve une quantité phénoménale de sources. Hein. On parle de presque 1 000 dictionnaires de langues régionales, donc c'est pas rien. Et des gens qui les parlent, de moins en moins, mais quand même plus qu'on ne le croit. Et un gros problème, c'est aussi un manque flagrant de données ouvertes, c'est-à-dire que ces langues sont quand même étudiées par les universités, par un certain nombre de choses, et au final, il n'y a rien qui dispose. Très difficile, enfin, c'était mon constat il y a 3 ans, c'est très difficile de trouver des données ouvertes en licence pour illustrer les langues régionales. Ça a un peu changé maintenant, mais c'est pas encore non plus bumper, quoi, on va dire. Et puis voilà, ça a commencé avec une discussion entre deux conférences que je donnais à Paris, et Pierre-Antoine, il faut qu'on... La richesse des langues régionales fait partie de la richesse des régions. Leur disparition est actée, pour pas mal, mais pourtant elles sont encore en vie. Tout n'est pas perdu. Comme je disais, en faisant une veille méthodique, on peut s'apercevoir qu'il y a un nombre assez conséquent d'articles sur les langues régionales et les patois dans la plupart des journaux en France, surtout les journaux locaux, mais quand même, ça fait, c'est quasiment journalier qu'on ait un article sur le sujet. Et puis là, on a l'opportunité de faire quelque chose qui n'avait jamais été fait précédemment sur les projets de Wikimedia Foundation, c'est-à-dire d'écrire une langue avec une granularité au niveau de la commune. En fait, ça n'a jamais été fait au niveau de la Fondation, mais ça n'a jamais été fait de manière à peu près générale, à cette ampleur-là. C'était parti d'une demande, alors déjà, d'un projet existant, qui était le projet Shuka, donc qui était un logiciel d'enregistrement massif des langues, qui a fait déjà plus de 100 000 enregistrements, dont beaucoup sont déjà versés sur Commons, mais qui se contentait d'être un outil technique. Il fallait le télécharger, il marchait très bien sur Linux et moins bien sur Windows. Il fallait être un peu technique. Et puis c'était vraiment un outil d'enregistrement. On posait l'ordinateur avec le micro, et puis les gens enregistraient. Et puis c'était tout, c'était fini, c'était stocké. C'était pas d'avoir en ligne. C'était bon, assez complexe en soi, malgré le fait qu'il y avait quand même pas mal d'enregistrements qui avaient été faits. Mais ça, c'était grâce à une personne, Nicolas Vion, qui était généraliste au départ. Et c'était assez complexe à valoriser. Malgré le fait qu'ils étaient déjà versés sur Commons. Donc là, l'idée, c'est. Sa technologie était quand même innovante puisqu'elle permettait d'enregistrer à peu près 1000 mots en une heure, ce qui est pareil. On a décidé de l'inscrire, en fait, Nicolas Lyon s'est vite repris en contact avec nous, et donc on a fait un peu de mixte des deux projets.
On a lancé au début le projet Langue de France, qui marche toujours, qui a vraiment pour objectif de valoriser les langues régionales de France sur les projets Wiki. Et dans ce cadre de ce projet, on a rapidement pris en contact avec la DGLFLF. Là, on a été en collaboration, on a lancé un outil réflexif avec la DGLFLF, qu'on a un représentant ici, nous a dit qu'il faut qu'on ait un outil d'enregistrement, et là-dessus on était entièrement d'accord, puisque les langues régionales sont essentiellement des langues orales, même si elles sont écrites, hein, elles sont aujourd'hui utilisées essentiellement à l'oral, il fallait donc les écrire là où elles sont. Et puis on a été en contact avec Nicolas Avion, développeur de Shuka. Et on a lancé en novembre 2015 le projet Nicolas Libré, dont on commençait à en parler déjà au début de l'année. Il a fallu 3 ans de développement pour arriver à la version actuelle de Nicolas Libré. Donc c'était quelque chose d'assez technique. On a eu une première V1 qui était un démonstrateur technique qui ne marchait pas avec Wikimedia Commons. On a fait sur à peu près un an et demi, un an et 7 mois d'usage en ligne, on a fait à peu près 10 000 enregistrements, ce qui est quand même pas rien. Mais on a surtout montré qu'il était possible de faire des enregistrements de qualité tout à fait valable à partir d'un navigateur Internet. En traitement de son, en traitement de la compression, l'envoi sur le serveur, tout ça, ça marchait bien. Donc, il a été décidé en une deuxième étape d'aller plus loin et d'inscrire le projet dans les projets Wikimedia Commons, puisque le projet de la V1 stockait des données sur le serveur, on pouvait les télécharger, mais elles n'étaient pas sur Commons, elles étaient difficilement partageables, pas valorisées, pas rangées dans un outil qui était facilement cherchable avec un moteur de recherche. Depuis le début, on était en contact régulier avec des linguistes pour calibrer le projet. Vraiment, est-ce qu'on dit des bêtises, est-ce qu'il faut qu'on prenne cette information sur la langue ou pas, est-ce que ça c'est pertinent, quel est le minimum qu'il faut qu'on mette. Toutes ces données-là ont été questionnées avec des linguistes. Et puis finalement, le développement s'est fait au début avec des bénévoles volontaires, et puis on a fini par avoir un développeur, alors en 2 fois. D'abord, ça a été Nicolas Avion qui a fait la transformation de Shuka en outil internet, donc qui a donné lieu à la V1 de Lingua Libre. Et ensuite, on a eu Antoine, qui est là, et qui a fait la transformation de la V1 à la V2, c'est-à-dire un outil entièrement intégré dans Wikimedia Commons. Ce que je veux montrer là, c'est que je vais vous faire une petite présentation en fin de conférence, de vraiment l'efficacité de l'outil, c'est-à-dire qu'on est arrivé aujourd'hui sur un outil qui a fait, sur la V2, 30 000 enregistrements en 3 mois, puisqu'il est sorti en juillet. 50 000, ben voilà. 50 000 enregistrements en 3 mois, puisqu'il est sorti en juillet. 3 mois et demi, mais voilà, ça fait 50 000 enregistrements, c'est énorme, absolument gigantesque par rapport à la V1, ce qu'avait mis la V1 en 1 an et 7 mois. Ce qui montre en fait le fait qu'on interconnecte un projet avec les projets Wiki, Wikimedia, en fait ça suffit à générer un engouement et ça montre que l'outil est utile. En quelques mois, on a 50 000 enregistrements, c'est inespéré. Donc voilà, c'est un outil fonctionnel performant. Aujourd'hui, on fait des enregistrements. Pardon. On fait des enregistrements par liste de mots. Pour l'instant, c'est la seule voie, mais ce n'est pas la seule voie disponible, mais ce n'est pas la seule qui sera possible à l'avenir. Donc il faut que je change le chiffre, c'est ça. Hein. en fait, on peut enregistrer 10 000 mots, non pas en 1 heure. Là, on a un peu amélioré les temps, on est à 45 minutes, ce qui est très très rapide. Avec ça, toutes les métadonnées de base qui sont associées à un enregistrement classique. Donc ça apporte certaines choses. Donc c'est marqué actuellement plus de 30 000, donc c'est 50 000. Il y a combien de langues? Voilà, 50 000 enregistrements en 40 langues en quelques mois, ce qui est présage du très 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 bon pour la vie. Donc Lingua Libre, c'est pas que ça. Quand on fait un enregistrement, quand on enregistre un locuteur ou une locutrice, la personne qui parle, elle n'est pas forcément informatisée. C'est pas forcément quelqu'un, notamment quand on parle de langue de France, c'est pas forcément quelqu'un qui a l'habitude d'aller à l'ordinateur, pourtant elle parle une langue qu'on voudrait enregistrer. Et ça, dès le départ, dès la V1, on a mis en place un système de gestion
de locuteur et de locutrice. C'est-à-dire que le compte qui va enregistrer peut avoir une liste de profils qui correspondent à des personnes qu'il va enregistrer. Par exemple, moi, j'ai moi, ma grand-mère, mon grand-père, je sais pas, le voisin, machin, qui n'ont pas forcément, ils vont pas faire des enregistrements, mais quand je les vois, ils passent à la maison, ils peuvent enregistrer 100 mots, 200 mots, et à chaque fois, bah, c'est tel voisin, d'accord, du coup, il fait, je mets son profil à lui, je le mets sur telle langue, et puis il fait ça en 20 minutes, il a fait 200 mots, et c'est top. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir permettre à quelqu'un de prendre son PC, il a géré son compte, et puis il va sur place. Avec son ordinateur, sa connexion, et c'est fini, il enregistre toutes les personnes autour. Donc il faut vraiment, on a dissocié l'enregistrement de la compétence informatique avec cette gestion-là. Ce qui était nécessaire notamment pour les langues régionales, mais c'est aussi valable pour un certain nombre de langues en danger dans le reste du monde, où les gens ne sont pas forcément informatisés, c'est pas eux qui vont s'enregistrer eux-mêmes, il faut un intermédiaire technique, entre guillemets, et l'idée c'était de pouvoir permettre ça. C'était une de nos contraintes de départ. Et puis, on a quand même pensé à faire en sorte que l'outil reste simple. Pour un débutant, quelqu'un qui est informatisé mais qui n'a pas un crack en informatique et qui a juste besoin d'étapes simples d'enregistrement. Donc, on a toujours fait attention parce que, malgré tout, une amie peut avoir un ordinateur, vouloir enregistrer, elle a été mise au courant par son copain ou son voisin wikipédien, hop, et elle veut le faire elle-même, tout ça à la branche. Il faut qu'elle puisse le faire. Donc, on a gardé une interface qui reste quand même quelque chose de simple. Qui correspond en fait globalement à le Cloud Wizard de Commons, on s'est beaucoup inspiré de le Cloud Wizard de Commons. Et voilà. Donc lui c'est un exemple, donc je vais vous faire un exemple juste après. Donc voilà, c'était juste pour terminer, pour dire aussi que le projet n'est pas seulement français, c'est-à-dire durant ce développement, des développeurs se sont intéressés à l'outil, ont fait des retours sur le développement, des Indiens, des Israéliens, des Allemands, et que on a encore besoin aujourd'hui, même si l'outil est en ligne, d'internationalisation, de points de vue extérieurs, afin de corriger notre point de vue qui est très franco-centré, parce que il est parti de là évidemment, mais vu qu'on a une interface aujourd'hui qui est traduisible, qui est déjà traduite en plusieurs langues, mais plus il y en a, mieux c'est. Et puis, voilà, on est toujours demandeur de plein de choses. Donc ça, c'est des remerciements pour les différentes associations françaises qui nous ont aidés au développement, qui ont fait partie du projet Langue de France et qui nous aident, qui nous ont aidés sur le développement. Donc il y a un certain nombre de monde, les Picards, alors le ministère de l'Agriculture par la DGFF, la DNDP sur Erasmus, Maison de Nouvelle-Calédonie, Francophonie, le Congrès, donc c'est de la langue occitane, Gohan Gris, mais je penserai mal, c'est du francique. C'est ça. L'OLCA, qui est la langue, l'office pour la langue et la culture d'Alsace. Et puis Wikimedia France, évidemment. Ah, j'oublie les Basques. Voilà, donc il y a aussi l'office public de la langue basque. Et puis Wikimedia France, évidemment, puisque c'est elle qui a pas mal hébergé toute l'organisation de ça. Je dirais que sans Rémi, on n'aurait pas réussi à aller aussi vite. Donc je vais vous faire un enregistrement en direct. Parce que c'est drôle. Et pour vous montrer à quel point c'est simple, donc là il suffit que j'aille sur un indicateur que je connecte à internet, sinon il va pas voir. Bon, en même temps, je peux prendre des questions si vous avez des questions, parce que ça va me prendre 2-3 minutes histoire de me connecter. Donc, est-ce que vous avez des questions ?